Bon les gars, aujourd'hui, premier roulage de la moto. Aujourd'hui je vous la filme, voilà, c'est la nouvelle moto, la MT10SP. Pour l'instant je vais rien dire à propos, j'allais récupérer des collègues et on se retrouve directement sur la route. Les gars, ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup trop de vent, donc on va continuer la présentation en voix off. Je ne vais pas étaler toute la fiche technique de cette moto. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 160 chevaux et que le moteur, le châssis, le bras oscillant, l'électronique et le compteur sont issus du Yamaha R1. Pour le look, c'est rapide, c'est soit on aime, soit on déteste. Moi, perso, j'adore. Au début, j'avais un peu de mal avec son look Transformer, mais franchement, avec le temps, je la trouve magnifique. La particularité de celle-ci comparée à une MT10 classique, c'est surtout sa suspension all-ins avant-arrière et son électronique de pointe. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'amuser. On va demander à mon pote qu'est-ce qu'il en pense. Ah ouais. La chariot du diable, mon pote a tout dit. C'est vraiment la sensation que tu as dès que tu es au guidon de cette moto. En plus, avec le coloris MT10SP, on dirait vraiment une R1M Roadster. Une des choses que j'adore aussi avec cette moto, c'est son compteur couleur TFT qui vient du R1, qui donne un tas d'informations. Donc, on a les modes de conduite qui sont sélectionnables au guidon directement en roulant. En fonction de ce qu'on sélectionne, on peut voir que tous les settings changent et tous les modes sont réglables de A à Z. Donc en partant dans le menu, on peut complètement tout reparamétrer en fonction de ce qu'on veut. Donc on reste appuyé sur le bouton et on se rend directement dans les settings. Franchement, c'est un ordinateur le bordel, c'est bluffant. Yeah.
vient de s'arrêter. Et forcément, c'est une sportive, hein. C'est une sportive déguisée. Donc les sportives, ça chauffe beaucoup. Et là, elle en peut plus. Voilà, je pense que le pneu est assez rodé. Bon, il reste très peu de bandes d'un côté comme de l'autre. Putain, je suis très mauvais cadreur. Mais ouais, je me suis régalé avec le collègue. C'est une très 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 bonne moto. Bon, restez connectés. Il y a beaucoup 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 de vidéos qui vont arriver avec celle-ci. Et j'en ai encore une autre à vous présenter sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a mon Instagram en description. Je vous dis à plus.